Belgique pour ce vendredi 8 février 2013. L'édition d'aujourd'hui va comporter nos rubriques habituelles et notre sujet principal aujourd'hui sera consacré au tourisme et la situation du tourisme avec la situation politique et sécuritaire actuelle. Pour parler de cela, je serai en compagnie de Samer Reis. Bonjour Amine, bonjour tout le monde et à présent on va passer en revue quelques extraits de notre rubrique d'aujourd'hui. Voyons ensemble. Et à présent, chers téléspectateurs, on débute nos rubriques avec la rue du ciel, où la météo, il est prévu pour les prochains 24 heures, un climat, je dirais, froid, un climat d'hiver sur l'ensemble du territoire national. Aujourd'hui, les températures au Caire sont comprises entre 22 maxima et 10 minima. Certainement, le soleil égyptien, quand même, tente d'infiltrer les nuages et chauffer. Alors, faites gaffe, le taux d'humidité aujourd'hui atteint les 50%. Alors, je vous conseille d'éviter trop de soleil, d'éviter trop de froideur. De toute façon, une grande jaquette ou un grand manteau sera utile aujourd'hui. Et à présent, on va passer en revue quelques degrés maxima et minima enregistrés en Égypte et de par le monde. Voyons ensemble. Signature de l'accord sur un gouvernement d'union nationale palestinien. Il s'agit d'un accord de principe signé à la Mecque à l'initiative du roi Abdullah d'Arabie Saoudite entre le Fatah, représenté par le président palestinien Mahmoud Abbas,
et le Hamas représenté par Khaled Meshaal, chef de son bureau politique. L'accord négocié pendant 2 jours porte sur la formation d'un gouvernement d'union nationale censé mettre un terme aux violences qui opposent leurs partisans et le rétablissement de l'aide internationale suspendue depuis l'arrivée du Hamas au pouvoir lors des élections législatives palestiniennes de 2006. Par ailleurs, la reconnaissance officielle d'Israël n'est pas évoquée formellement. Le 8 février 1978, Denis Sassou Nguesso devient président de la République du Congo. Denis Sassou Nguesso est un homme politique congolais né le 23 novembre 1943 à Edou. Il a été président de la République populaire du Congo de 1979 à 92 et le président en exercice de la République du Congo depuis 1997. Le 25 octobre de cette année, Sassou Nguesso se proclame président de la République et promulgue un acte fondamental qui aménage une transition de durée flexible. Quelques jours plus tard, il publie son gouvernement. On y retrouve essentiellement les personnalités qui faisaient partie de son équipe gouvernementale dans les années 1980. On va tout de suite commencer, mesdames et messieurs, notre revue de la presse quotidienne pour ce vendredi 8 février 2013. Et on va commencer par le quotidien Al-Ahram qui écrit à la une: le sommet des pays islamiques met en garde contre le partage de la Cisjordanie et l'isolement de Jérusalem. Les dirigeants de 56 membres de l'Organisation de la coopération islamique, l'OCI, soutiennent l'initiative égyptienne pour résoudre la crise syrienne et condamner le terrorisme et l'extrémisme au Mali. Et concernant la situation au Mali, nous allons tout de suite voir un reportage de chez vous. Pays islamique s'est prononcé jeudi, mais avec des réserves de l'Iran, pour un règlement de la crise syrienne par un dialogue entre l'opposition et des représentants du gouvernement et apporter un soutien implicite à l'intervention militaire de la France au Mali. Dans son communiqué final, le sommet a plaidé pour un dialogue sérieux
entre la coalition de l'opposition et des représentants du gouvernement qui croient à un changement politique et qui n'ont pas été impliqués directement dans la répression. Ce dialogue devrait ouvrir la voie à une transition qui permettra au peuple syrien de réaliser ses aspirations à un changement démocratique dans le pays, ajoutent les dirigeants de 56 membres de l'Organisation de la coopération islamique après 2 jours de discussion au Caire. Le sommet, tenu en l'absence de la Syrie suspendue de l'OCI en août en raison de la sanglante répression de la révolte par le régime du président Bachar el-Assad, désigne le pouvoir de Damas comme principal responsable des violences qui ont fait, selon l'ONU, plus de 60 000 morts depuis mars 2011. L'Iran, principal soutien du régime d'Assad,